Française qui toute sa vie, je vous dis bien toute sa vie, avait respecté le droit, la justice de son pays. Ce n'est pas le combat d'une communauté ou d'une autre. Nous sommes tous réunis pour Sarah Halimi aujourd'hui. Mais si la police ne peut nous défendre, et si la police ne peut se défendre, si la justice ne peut être rendue, mais vers quoi allons-nous? Vers quel futur allons-nous? Les problèmes se règlent ici. Nous avons deux objectifs à cette manifestation. D'être avec vous. Vous savez, en ce mois saint pour les musulmans que je suis, aujourd'hui j'ai faim et j'ai soif de justice. Sarah Halimi, c'était ma sœur, ma tante, ma mère, c'était un membre de ma famille. Et je m'en moque de sa religion, je m'en moque de sa différence, parce que moi je vois ce qui nous rassemble. Et aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner justice. Parce que pour une fois qu'un de ces lâches est encore en vie et ne s'est pas suicidé lâchement comme la plupart de leurs actes, on doit le juger. J'ai pas honte de dire que moi je vous aime. Que moi je vous aime profondément. Et que c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils essayent de vous faire croire. Qu'on est tous divisés. Non, non. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, on l'a prouvé. Alors, que nos gestes ne servent pas à rien, que Sarah Halimi vive en chacun d'entre nous, qu'on n'oublie jamais. Parce que Sarah, ça signifie le S de solidarité, le A de amour, le R de rassemblement, le A encore une fois d'amour et le H de histoire. Alors seul on va vite, mais ensemble on va plus loin et allons écrire l'histoire. Justice pour Sarah Halimi. Merci à vous. Merci à vous. Thank you.
sommes tous Sarah Halimi. Nous sommes tous Sarah Halimi. Meurtrier, non jugé, République en danger. Meurtrier, non jugé, République en danger.